Culture à présent avec la troisième édition de Kiena America Awards. Cette cérémonie tenue samedi dernier à Lomé, 9 artistes ont été primés. Kiena America Awards est un événement destiné à valoriser les chansons kabyé et la culture togolaise. Serge Folly, Gisèle Kozona, Ramdan Bassina. Le ton de la troisième édition de Kiena America Award est ainsi donné. Un événement qui valorise le kabyé au plan musical. Ici sont primés les artistes kabyé dont les morceaux sont classés meilleurs. 29 chansons ont été nominées à cette édition de Kiena America Award. Sur les 18 artistes sélectionnés, seulement 3 repartent avec les trophées. Paneke Toy, Baby Rose et José Grasse Béni, tous respectivement lauréats de la catégorie classique, moderne et mix. Mandarmandas mongong sunoyo menza mbani sisi pere Canada America pere chazuzi bihubotona otosora peneara toyo menza upoyoke sosite osos werung si on te remarque pas tu peux pas mériter. C'est que nous on travaille on a pensé que c'est quelque chose qui ne veut pas qui ne vaut rien, mais aujourd'hui j'ai vu comme des fois ça m'a servi. Je suis très 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 content et je suis encore encouragé. Et j'ai encore la rage de travailler plus parce que là, je sens maintenant que je suis suivi. Au total, 3 artistes primés par catégorie. L'association Kabyé en Amérique et au Canada veut à travers l'initiative promouvoir davantage la culture togolaise. Cette année, le système de vote a été amélioré pour nous assurer que quand on dit qu'un gagnant est gagnant, il l'est pour une très bonne raison. Donc on a scindé le système de vote en 3. Il y a un jury composé des détenteurs des us et coutumes, donc qui connaissent très bien le sens et les sons de chez nous. Il y a eu un groupe composé des membres de l'association, c'est ceux-là qui se lèvent jour et nuit et pensent aux artistes. Et un troisième groupe, c'est le public. Ils ont amplement mérité le prix. Et pour l'association Kabyé en Amérique et au Canada, c'est dans une approche inclusive, participative et durable que la culture togolaise pourra relever les défis de la modernisation.